Brothers, sisters, peace be with you. We are going to have a very brief presentation, first in English, second in French, and third in Creole, on the scripture texts of this Sunday, the first Sunday of Lent. Nous pourrons gagner un texte très bref en anglais, le fini en français, le fini en créole. Donc, rité, nous pourrons joindre pas nous tous. Reflections on the readings of the first Sunday in or the first Sunday of Lent. In the readings of this day, two contrasting stories are told, and the two of them about a temptation by the devil. Adam, seduced by what looks pleasing to the eyes, good for food and desirable for obtaining wisdom, Adam disobeys God in a personal sin that deprives his nature of holiness and justice. And he ends up finding himself naked, that is, in a state of radical powerlessness. It is that state of nakedness that he will transmit to all his descendants. In the second story, Jesus, the new Adam, the beginning of a new race, Jesus rejects the devil's promises of food, honor, and wealth, and is at once consoled by angels. Through those stories, do we recognize the pattern of our own story? Every human being must, at one point or another, choose between God and Satan, good and evil. Did you choose yet? The penitential season of Lent prepares us for this radical personal option every person must make in life. Jesus, trusting his Father to the end, lays down his life on the cross for our sakes. This act of supreme trust and love restores mankind to that holiness and justice that was lost through the disobedience of that first couple, the ancestors of all mankind. During Lent, through prayer and penance, we will focus on Jesus, who suffered, died, and rose, and thus showed that perfect obedience to the Father is the new way to achieve wisdom, joy, prosperity, and success. Our naked human nature lacks the needed strength to follow the path of Christ. Jesus is the second Adam who transmits the power to regain the holiness and wisdom lost by the first Adam. The Lord alone shall you worship, and him alone shall you serve. May this season of Lent increase our option for the new way that alone brings human fulfillment. May God bless you. Maintenant le texte français. Réflexion sur la lecture du premier dimanche du carême. Notons le contraste frappant entre la première lecture et celle de l'évangile du jour. Dans les deux cas, l'homme est tenté par Satan. Adam et Ève, séduits par le fruit, décrit comme beau à la vue et désirable pour obtenir la connaissance, rejette l'ordre de Dieu et succombe. Jésus, au contraire, alors qu'il a faim et est privé de tout, s'accroche à la volonté du Père. Il répond à Satan, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ne serviras que lui seul. » Adam et Ève, après avoir désobéi, se retrouvent nus, c'est-à-dire radicalement diminués et appauvris. Ils perdent
cette justice et sainteté initiale comme un oiseau qui aurait perdu ses ailes. C'est cette nature nue et chutée qu'ils transmettront à nous tous, leurs descendants. Jésus, au contraire, se dresse en face de ses premiers parents déchus comme le second Adam, l'initiateur d'une race nouvelle, la race des sauvés. Jésus est l'homme qui a fait l'option pour Dieu contre Satan. Et à tous ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, restaurant ainsi notre dignité perdue. Comme Adam et Ève et comme Jésus, chacun de nous doit faire un choix, une option entre Dieu et Satan. Le carême nous invite à fixer nos regards sur Jésus mort et ressuscité pour que par la prière et la pénitence, nous grandissions de notre conviction que la désobéissance à Dieu conduit au désastre et à la mort, tandis que l'obéissance débouche sur la vie éternelle. Les héritiers d'Adam resteront nus. Au contraire, la voie nouvelle de Jésus conduit au plein épanouissement de notre humanité. Choisis Jésus. Frère Axamoyo, nous pourrons offrir anti-réflexion sous morceau la Bible, nous joignent jeudi. C'est comme quoi nous avons deux histoires. Un bord, nous avons histoire Adam et Ève, l'autre bord, nous avons histoire Jésus. Histoire Jésus racontée dans l'Évangile. Dans toutes deux histoires, Satan paraît, lui tenter Adam et Ève, le finir paraît, lui tenter Jésus. Le premier morceau, Adam et Ève, Pipito, promesse, Satan, par ses promesses Jésus, par ses promesses bon Dieu. Bon Dieu, t'es bas, toute terre, tout jardin était pour yo. Satan même offrit yon pomme, yon pipito pomme, par ses tout jardin. Et c'est peut-être ça, tout de suite après, yon découvrit yon tout au nu, ça voulait dire, yon pas grand rien. Tandis que dans l'Évangile, nous, ouais, Jésus, t'es grand goût. Dans le désert, il peut manger, lui, 40 ans. Satan paraît. Et puis, il dit, oh, adorez-moi. Et puis, ma mort toute bagarre. Promesse mentie. Mais Jésus campé, malgré le grand goût, lui dit, oui, t'es quoi devant Satan. Moun, c'est pas que manger seulement, il vive. Mais il vive tout à toute parole qui sortit en bouche. Bon Dieu. Le fini dit, Jésus dit, Satan, oui, t'es quoi devant. Parce que c'est Satan où il est. Et ça trouvait encore un exemple, parce que moi-même tout, et nous-mêmes tout, nous avons une décision pour nous prendre. Est-ce que nous avons choisi Satan ou bien bon Dieu? Est-ce que nous plutôt fait ça qui me l'aide, ça qui est mal, au lieu de nous faire ça qui est bon, même s'il est difficile? Est-ce que nous choisi lumière, pas ses faits noirs? Saison, carême, là, c'est précisément en saison. Pas inviter ou même tout, pas faire erreur ça, pas commettre faute ça, bêtise ça. Pour pupito fait noir, pas fait lumière. Choisis Jésus. Il s'est petit bon Dieu. Et fini, Jésus, fin. Mettez Satan dehors. Nous avons un ange qui paraît pour consoler. Pour consoler. Nous même tout nous souhaiter que le fait Pâques arrive, nous recevoir en plénitude consolation. Bon Dieu seul, kabaye. C'est pour bon Dieu béni. Tu trouves que ta vie n'est pas facile. Tu me dis bien souvent que ça t'épuise. Je te comprends, car moi aussi j'ai connu la douleur, la souffrance et la honte, et j'ai ressenti la peur. Tu as perdu la joie, l'envie de vivre.
et ton mal-aimé te laisse vide. Mais je ne comprends pas pourquoi tu restes là. Viens plutôt vers moi et je serai ta force et ton courage tout le temps qu'il te faudra. Ne crois pas un moment que pour moi ce fut facile, je te le dis vraiment. Ce fut difficile quand dans mes mains j'ai senti les clous et sur ma tête les épines. Je ne regrette pas, oh non, car vous en valiez la peine. Et pour vous sur la croix, j'ai racheté le monde, je ne regrette pas. Vous savez, je vous aime, à en donner ma vie. Pour vous donner la vie. Je n'avais pas à faire ce que voulait mon père, et je l'ai fait par choix afin de lui plaire. C'est parce que je vous aimais tant que j'ai pris votre place. Ne prenez pas à la légère la volonté de mon père. Vos péchés sont rachetés par ma vie, c'en était le prix. J'ai tout abandonné afin de vous sauver. Et je ne comprends pas pourquoi vous restez dans le noir. Venez plutôt vers moi, car pour vous je suis la force et le courage qu'il vous faut. Ayez la foi. Ne croyez pas un moment que pour moi ce fut facile, je vous le dis vraiment. Ce fut difficile quand dans mes mains j'ai senti les clous et sur ma tête les épines. Je ne regrette pas. Oh non, car vous en valiez la peine. Et pour vous sur la croix, j'ai racheté le monde. Je ne regrette pas. Vous savez, je vous aime, à en donner ma vie. Pour vous donner la vie.